Les propos tenus dans cette émission ne reflètent que l'opinion et ou les recherches de la ou les personnes invitées et n'engagent qu'elles. En 10 ans de BTLV, bon nombre de mes invités ont évoqué sur ce plateau les êtres de lumière. Si l'image nous laisse imaginer que ces entités, si elles existent réellement, sont proches du divin, j'ai tout de même du mal à y voir clair. Anges, archanges, extraterrestres, esprits de la nature, intraterrestres, maîtres ascensionnés, vous avouerez qu'il est difficile de s'y retrouver. Pas de souci, on en parle aujourd'hui. Êtres de lumière, qui sont-ils vraiment? C'est inédit avec Martine et Philippe Gilbert. Alors bienvenue dans Face au Mystère. Bonjour Martine. Bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour la première fois sur ce plateau, Martine, parce que j'avais eu l'occasion, bien évidemment, d'avoir Monsieur Philippe Gilbert qui est ici. Salut Philippe, comment ça va? Très bien, bon, impeccable. Bon, je suis ravi de... écoute, c'est un vrai plaisir de vous avoir tous les deux. On va bien évidemment aujourd'hui essayer d'en savoir plus sur ces êtres de lumière. Je le disais, c'est difficile aujourd'hui de s'y retrouver. Je fais de temps à autre des émissions sur ces êtres de lumière. Il est tout à fait plausible pour moi d'envisager qu'il y ait des entités quelque part qui... moi, je dis toujours que j'ai un ange gardien qui est toujours là, qui me surveille. Alors, certains l'appelleront guide, etc. Moi, c'est mon ange gardien. Et je voulais avoir un peu d'infos sur ce bouquin quand même, parce que là, le grand livre des êtres de lumière, je me dis, j'ai ouvert ce bouquin et je me suis dit, allez, je me plonge dedans et on va voir ce qui se passe. Alors, la première des questions, Martine, c'est à vous que je vais la poser. Ou à toi, je ne sais pas, parce qu'on s'est tutoyé avant. Donc à toi. Qui sont-ils, ces êtres de lumière? Parce que alors là, il y a une richesse quand même dans les... c'est une Bible. Voilà, c'est une Bible, le bouquin. Donc voilà, qui sont-ils vraiment? Oui, on a cherché à répertorier... on ne peut pas dire tous les êtres de lumière, parce qu'il y en a tellement, c'est pas possible. En un tome, tout au moins, de tous les répertorier. Mais il y en a quand même pas mal. On a fait fort quand même, il y en a pas mal. ils ont un point commun, ces êtres de lumière? Oui, ils ont des points communs. Après, il y en a qui vivent dans différents espaces, différents plans, qui se manifestent d'une façon différente. Ouais. Voilà, mais ils sont plus ou moins proches de nous suivant les affinités qu'on a, suivant les connexions qu'on a, suivant ce qu'on a vécu différentes vies avec eux. Si je t'entends bien, ça veut dire qu'en fonction de ce que je dégage moi et de qui je suis, je vais avoir tel ou tel être de lumière, c'est ça? Oui. Qui va m'accompagner. Oui. D'accord. Alors, je sais que vous bossez dans la même maison, puisque vous êtes monsieur et madame, donc, mais vous ne travaillez pas de la même façon. Philippe, tu es auteur, conférencier, ancien architecte, donc tu travailles sur l'énergie. Tu arrives à travailler, toi, en virtuel, à distance, etc. Alors que Martine, tu es plus sur du présentiel. Donc, oui. Est-ce que vous travaillez, et l'un et l'autre, hypnothérapeute aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, oui. Est-ce que vous travaillez avec l'aide de ces êtres de lumière, Philippe? Bien, en permanence, puisque par exemple, en ce moment, on fait comment recevoir l'aide des médecins éveilleurs galactiques avec notre ami Nicolas Yaturban. Tu as peut-être un jour entendu parler, qui fait Éveil-Homme. Et donc là, eh bien, on a l'aide de différents galactiques, des Andromédiens, des Arthuriens, des Procyoniens, des Ganymédiens, etc. Et qui se présentent à nous et qui nous présentent des messages d'éveil, des messages de guérison. Après, les êtres de lumière, ils vont se présenter en fonction des fréquences et des moments. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivé dans le studio, eh bien, comme toujours, j'ai un petit peu nettoyé avec nos amis, ou mis en place, fait augmenter les fréquences vibratoires. Mais j'ai vu que tu avais fait une petite prière, un petit mantra, quelque chose, ouais, c'est ça? Nos amis arthuriens sont présentés et ont créé un dôme de lumière tout autour de nous, de manière à ce que les fréquences qui soient émises soient transmises au-delà de simplement du studio. Et puis, pour pouvoir ramener des énergies d'autrefois qui n'étaient pas totalement présentes, totalement claires. Il y a des constructions, Paris est construit sur des mètres et des mètres au-dessus des anciennes terres. Et donc, voilà, donc là, il y a des êtres de lumière qui sont arrivés. Et puis, dès qu'on s'est installé là, dès qu'on a commencé, eh bien, un grand nombre sont installés autour de nous. Donc, j'ai reconnu quelques extraterrestres. Il y a quelques anges, quelques archanges, effectivement. Et des esprits de la nature qui sont toujours présents. Et ce qui est rigolo, c'est que les esprits de la nature, on nous les a toujours présentés quelque part en bas de l'échelle, d'une certaine manière. Ils s'occupent de la forêt, ils s'occupent des... Et puis on a présenté les anges et les archanges au-dessus. Mais les esprits de la nature, mais ils ont des rôles...